C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour totalement perverse entre deux gars, deux, deux hommes. Et l'un est un, 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 comme profession, son métier, c'est de combattre la violence dans le monde. Euh, il travaille pour une euh, ONG, on dit ça en français, euh, à New York mais c'est un truc international et il a même fait une thèse sur, euh, sur une manière nouvelle d'avoir euh, rapport avec la violence, de la combattre et tout ça. Alors c'est quelqu'un de très respecté dans le milieu international et il tombe dans un piège là, dans la cinquantaine, et c'est un piège intime, amoureux et tout ça. Et c'est que là c'est un, une relation où la violence est très présente et, euh, et alors euh, le bouquin c'est un peu cette contradiction entre... Euh, sa figure, euh, euh, son rôle social, international, collectif dans le dans la scène euh, collective internationale et son et son et sa vie privée euh, où la violence euh, incide aussi avec une force assez euh, destructrice. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt l'idée du désir comme quelque chose qui nous échappe et qui est euh, qui est euh, contradictoire euh, euh, par rapport à des choses qu'on qu croit défendre, ou notre morale par exemple. Et, à, à propos de ce personnage, c'est quelqu'un qui a un rôle euh, connu, il est connu pour ça, il, il combat la violence, et, euh, mais dès que ça arrive dans sa vie privée, euh, il est complètement euh, perdu et euh, déboussolé. Je viens du Brésil euh, et au Brésil, euh, on tue plus qu'en Syrie depuis toujours. Et euh, la guerre n'a jamais été déclarée. Les gens euh, pauvres, euh, surtout les Noirs, ils meurent euh, vraiment euh, beaucoup. Et euh, alors je vis dans un pays où la violence est très présente, a toujours été très présente, et sans qu'on ait euh, le scandale euh, du moment euh, comme euh, une guerre déclarée. Non alors, euh, je ne sais pas, pour, je crois que pour des gens comme nous, peut-être le terrorisme a changé quelque chose, mais pour des gens comme euh, des gens des favelas au Brésil, surtout les Noirs, euh, ça ne change rien, leur vie a toujours été l'enfer, et, euh, et depuis des, des siècles. Et euh, Alors, ce n'est pas vraiment ça, ce qui m'intéressait, c'était plutôt, euh, enfin, le, le terrorisme, c'est le... C'est la matière de son travail, ce personnage-là, qui est le protagoniste du livre. Alors, ça m'intéressait que lui, il soit spécialiste de, 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 du combat contre la violence, pour qu'il ait cette contradiction-là avec sa, sa vie intime, et surtout avec cette idée de désir, parce que le désir, c'est un peu, pour moi, c'est ça, c'est un rebelle en soi, c'est quelque chose qu'on a en nous tous. Et, euh, et qui fait que si on a conscience vraiment de, de ce désir-là on comprend que le mal n'est pas toujours ailleurs n'est pas toujours euh, dans l'autre mais il est en nous et ça, je crois que ça change entièrement la compréhension du monde. Dès qu'on qu qu se rend compte que, que le mal, il est aussi en nous, que ce n'est pas que nous, nous sommes le bien et que, et que les autres sont le mal. Il y a quelque chose en nous qui est assez contradictoire aussi dans le combat à la violence. Et je crois que dans, pour le terrorisme, c'est évident, par exemple, quand on a vu à, à, aux États-Unis, quand il y a eu le, le 9 septembre, par exemple, le 11 septembre, comment, par exemple, il y avait des gens. De dans le monde qui applaudissait ça. Et pourquoi et, euh, et alors, c'est ça, évidemment, ça c'est le mal absolu, enfin, l'attaque, l'attentat. Mais euh, il faut comprendre que ça, c'est dans une situation mondiale qui, où il y a beaucoup de, de, de contradictions aussi et des, et des couches de sens qui, qui, qui se contredisent. Et, euh, et ça m'intéressait, et ça m'intéressait surtout l'idée du désir dans les attentats comme à Paris, euh, dans le Bataclan et tout ça. Pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas ciblé le siège du Front National, par exemple Ils ont ciblé des jeunes qui avaient le plaisir et qui... Parce que c'était la représentation d'un truc qui, pour eux, c'est insupportable, c'est le désir. Et, euh, et c'est le péché, mais c'est en eux aussi, c'est quelque chose qu'ils qu ont... Euh, dans leur propre peau. Et alors, le, le, ce personnage-là, pour moi, c'est un peu ça. C'est une manière de, de, de faire face et de décrire. C'est pas une thèse, c'est un roman, mais c'est une manière d'écrire sur euh, cette question-là qu'on a un nous, quelque chose qui nous contredit tout le temps. Et, euh, et comment euh, on peut faire face à, à ça.